convient d'une insuffisance respiratoire, la plupart du temps, cet établissement n'a ni le personnel ni l'équipement pour un traitement efficace. Il devient indispensable de transférer ce malade dans un centre spécialisé. Le médecin traitant téléphone alors à ce centre pour s'assurer qu'il peut accueillir son patient. Puis il prévient le médecin de garde du laboratoire par l'intermédiaire d'un central. Celui-ci, par radio ou par téléphone, peut à tout instant entrer en communication avec les médecins convoyeurs et faire ainsi les différentes liaisons indispensables. Selon le malade, l'état des routes, la météorologie, le médecin convoyeur choisit une ambulance automobile ou un avion. Ainsi que l'équipement nécessaire pour effectuer un traitement en cours de route. Ce matériel, le même quel que soit le mode de transport, a été construit ou sélectionné pour cette utilisation spéciale. Il doit être léger, robuste, simple et complètement autonome pour fonctionner partout. Il comprend toujours une réserve d'oxygène comprimé facilement transportable, un bloc compact, oxygénation et aspiration, monté sur bouteille d'oxygène, un aspirateur à pied, des sondes d'aspiration trachéale non traumatisantes, un tensiomètre, un soufflet pour assister la ventilation utilisant l'air extérieur que l'on peut enrichir d'oxygène, un va-et-vient ou une valve unidirectionnelle, enfin une boîte d'intubation et des médicaments. Dans une vitrine se trouve le petit matériel, serre-tête et masque, canule de Guedel, de trachéales à ballonnets, aspirateur Venturi, détendeur, pièces en Y, soluté injectable stérile en poche plastique et cathéter stérile montés en aiguille, débitmètre massique, sans oublier les tétines qui servent de raccords universels, la lampe électrique et la clé anglaise. Les respirateurs sont des appareils pneumatiques portatifs à volume constant. Un matelas coquille. Et cuirasse thoraco-abdominale pour ventilation artificielle par méthode externe. Pour les nourrissons, un petit poumon d'acier branché sur un moteur de cuirasse. Enfin, pour la réanimation cardiaque, appareil à massage externe, ensemble stop, entraîneur, défibrillateur. Si les distances sont inférieures à 100 km et si les routes sont bonnes, l'évacuation se fera entièrement en ambulance. Les longs trajets en automobile sont très fatigants pour le malade par la durée du voyage et les séries d'accélération ou de secousses inhérents à ce mode de transport. De plus, les coups de frein entraînent des déplacements brutaux de la masse sanguine, comme en témoignent les déplacements du liquide contenu dans ce modèle. La force centrifuge joue aussi sur la masse sanguine dans les virages. Les mesures accélérographiques ont montré qu'un chaos pouvait entraîner une accélération verticale de 3G. C'est l'explication des arrêts cardiaques que l'on a pu observer parfois. Une escorte de motocyclistes
ne doit pas aboutir à une course de vitesse, mais régulariser la progression de l'ambulance en lui dégageant la route et en lui permettant ainsi de rouler sans à-coups et à vitesse constante. Le transport en avion, rapide, sans secousse, est bien mieux supporté par les malades graves. Ce mode d'évacuation est choisi lorsque les distances sont supérieures à 100 km et a fortiori si les routes sont mauvaises. Un petit avion biturbopropulseur semble actuellement la meilleure solution possible. Les réserves de puissance sont telles qu'il peut décoller à pleine charge en 300 mètres. La réversibilité du pas des hélices permet des atterrissages très courts sur 400 mètres. De plus, comme son poids est faible, il peut se poser presque partout, et en particulier sur la ligne droite d'une route à quatre voies ou sur les terrains en herbe des aéroclubs. La caisse du respirateur a été réduite, l'alimentation des appareils électriques transformée pour se brancher sur le circuit électronique de l'avion. Ainsi ont pu être respectés les impératifs de volume et de poids dans cette cabine insonorisée. Les gros hélicoptères ont dans les régions urbaines des servitudes de vol très strictes. D'autre part, actuellement, les vibrations et le bruit dans leur cabine sont telles qu'il n'est même pas possible de prendre une pression artérielle. C'est pourquoi leur utilisation est peu fréquente et que les liaisons avion-hôpital sont encore assurées par des ambulances automobiles. Les problèmes d'arrimage sont en avion très importants. Le brassard gonflable d'un appareil à tension artérielle monté sur un flacon plastique permet de faire une perfusion sous pression afin de compenser la faible hauteur de chute à l'intérieur de la carlingue. La technique médicale a été elle aussi adaptée à cette forme clinique de la réanimation. Au cours de son dialogue avec le médecin traitant, le médecin de garde responsable des équipes médicales se renseigne exactement sur l'état neurologique, ventilatoire et cardiovasculaire du malade. Il peut, si cela est nécessaire et urgent, donner déjà par téléphone un certain nombre de conseils pour traiter ce malade et essayer de suppléer au manque de matériel spécialisé. Il s'agit ici d'une intoxication dans le coma, débutant une décompensation respiratoire. L'hôpital où il se trouve n'a que quelques médicaments et une tente à oxygène de modèle ancien. Le médecin convoyeur doit, avant de partir, vérifier le fonctionnement de ses appareils. Machine à massage cardiaque externe. Défibrillateur, entraîneur, électrocardioscope, pression de l'oxygène dans les bouteilles, respirateur, aspirateur. Car après le départ, l'équipe médicale ne pourra plus compter que sur elle-même et sur ce qu'elle aura emporté. Arrivé sur place, le médecin convoyeur se rend immédiatement avec le matériel léger dans la chambre du malade. L'examine. Aspect, coloration, sudation, encombrement bronchique.
fréquence et rythme cardiaque. Et lui donne les premiers soins pour pallier la détresse respiratoire. L'oxygénothérapie est rapidement efficace avec une sonde nasale, car dans une tente, il faut un certain temps pour que la pression partielle d'oxygène commence à s'élever. Mise en déclive, faites doucement pour éviter les brusques changements de position qui sont dangereux parce qu'ils peuvent entraîner une inondation bronchique ou un collapsus. Vient ensuite la mise en condition du malade pour le transport. L'on ne partira que lorsque la réanimation aura été efficace et le malade stabilisé. Mise en condition ventilatoire. Oxygénation en masque. Intubation trachéale, souvent faite au travers des barreaux d'un lit. Fixation soigneuse de la sonde. Aspiration des sécrétions bronchiques. Ventilation artificielle manuelle avec de l'air enrichi d'oxygène ou même de l'oxygène pur. La mise en condition circulatoire comprend l'injection intraveineuse des médicaments nécessaires et l'installation d'une perfusion. Un cathéter veineux mis en place par voie percutanée et solidement fixé est indispensable. Il ne faut jamais se contenter d'une aiguille qu'un simple mouvement peut déplacer. Le malade est ensuite installé sur le matelas coquille. Le matelas coquille est formé d'une enveloppe étanche contenant des petites billes de polystyrène expansées. Gonflé, il épouse les formes du malade. Lorsqu'on y fait le vide, la pression atmosphérique agglomère les billes et le matelas se solidifie en une coquille que l'on peut modeler sur le patient. Il est alors immobilisé en position correcte et ne forme qu'un bloc avec le matelas. On peut le manipuler sans danger. Moulage du corps du patient dans le matelas coquille qui, de plus, a l'avantage d'être transparent aux rayons X. Après avoir été ainsi soigneusement préparé, on transporte le bloc malade-matelas sur le brancard de l'ambulance. Il est fréquent que l'on soit obligé de brancarder dans les escaliers, les ascenseurs étant trop exigus pour contenir en même temps patients, brancardiers et médecins. Il est indispensable que le malade soit alors bien sanglé. Puis on le conduit dans l'ambulance, où il sera branché sur les différents appareils qui l'y attendaient. Pendant tout le transport, le malade est traité et surveillé par les médecins convoyeurs. De telle sorte qu'à son arrivée dans le centre spécialisé, le traitement commencé pourra être poursuivi sans qu'il ne se soit produit aucune interruption. L'évacuation terminée, le médecin convoyeur retourne au laboratoire. Au 1er janvier 1964, 1500 transports d'insuffisants respiratoires ont été effectués sous ventilation artificielle
par les équipes médicales du laboratoire expérimental de physique avec une mortalité de 0,8% au cours des évacuations. Il n'y a donc pratiquement plus de malades intransportables. Et si on voulait, un malade ou un blessé en insuffisance respiratoire pourrait, de n'importe quel point de France, être évacué vers un centre spécialisé en moins de 2 heures.